l'avais vu se relever et partir comme ça après la chute. Oh ouais. Mais tu sais, on aurait dit un ange, mec. Vous pourriez me le décrire? Foutez le camp! Vous me faites perdre mon temps. Vingt témoins ont vu ce type et personne n'est foutu de dire à quoi il ressemble, à part qu'il est chauve et qu'il a un tatouage sur la nuque. Vous croyez vraiment que c'est lui? Que c'est notre homme? Ça pourrait être le Père Noël, ce que je veux, c'est le coincer. Inspecteur? On vient de nous livrer ça. Le gamin a dit de le donner à celui qui cherchait... le tueur. Bien, affaire suivante. Dexter Industries contre Kevin Zimmerman. Violation de propriété. Shérif, où est le prisonnier? Votre honneur, le prisonnier a eu un malencontreux accident dans sa cellule ce matin et il est en route pour l'infirmerie. Je vois. Bien. Vous croyez qu'il s'en sortira? C'est assez sérieux. En fait, il a fait une sacrée chute. Affaire classée. Bon, je vais aller faire un petit tour en bas pour jeter un œil aux prisonniers. Au revoir, votre honneur. Bon, on se retrouve dans ce tribunal. Et on va essayer de déjà d'aller récupérer... le moyen de rentrer là où on doit rentrer. Tout simplement, on va passer par là. Et on va passer par ici, même si c'est interdit. Voilà, hop. On se pose tranquille là. Et on va tout simplement l'assommer, prendre son costume. Ok, nickel. Ah, ça le tue direct. D'accord. Je savais pas que ça allait le tuer. Mon but c'était de. C'était juste de l'assommer. Bah, normalement, Baton Police c'est pas fait pour tuer. C'est fait pour assommer. Ok, nickel. Donc, un type chaud. J'ai pas envie de savoir. Tu vois? Attends, tu me racontes quoi? Une blague? Non, écoute. C'est un truc que mon beau-frère m'a... Ok, nickel. Là, on va utiliser son réflexe pour passer. C'est nouveau, c'est ça. L'uniforme vous va très bien. Hé, les
connard, y'en a pas un qui saurait où je peux trouver les mille à pas de bol. Autant je t'ai. Vaut mieux en avoir le cœur net. Allez, va voir. Bien compris. Ok, hop, nickel. Là, je passe rapidement dans son bureau. Et c'est parti. Ok. Là, normalement, ils vont activer une petite vidéo qu'on va voir s'activer là. Et là, on peut l'éteindre via ce PC. Donc, c'est déjà pas mal. Et après, bah, faudra qu'on se démerde pour trouver une solution pour passer dans les autres endroits. Et ça, chaque chose en son temps. Le mec il est carrément atteint. En fait c'est un mec avec un chapeau Adalu sur la tête. Et il se prend pour un mec il croit que ça le protège des ondes de Dieu et tout ça. C'est vraiment chelou hein. Mais c'est tellement marrant. Alors dans le film, quelqu'un a du popcorn. Ah ça. Ok, donc là quand dès qu'il s'active on peut l'éteindre avec le PC. Alors il y a juste son assistante qui viendra juste ici, mais normalement on pourra le tuer dans son bureau tranquillement. Donc là la télé s'allume, faut attendre quelques secondes, hop voilà. Dès que ça fait ce petit clic, hop, on éteint tout. Et là on se met dans le petit placard tranquille parce que c'est un peu suspect de voir un flic dans son bureau attendre l'attendre. Même si bah, je suis un gardien de la paix quoi, je suis là pour le défendre mais il pourrait croire que je suis là pour le tuer. Bon, attendons. Attendons-le. Et là, faut pas le tuer, lui, il est civil. Ça fait perdre beaucoup de points, un civil. Ok, nickel, on fait pas de bruit. Ok, nickel. Nicolas, je veux dire que la perruque et les biscuits c'était déjà spécial. Ok, nickel. Regardez des matchs de cricket. Nickel. Ok. La cour présidée par l'honorable juge Strickland. Non, les nains. C'est pour une affaire de nains. Putain, carrément. Pourquoi tu ferais ça, franchement? Va le rendre au magasin si tu l'aimes pas. Oh, le naze! Arrêtez de jeter des merdes. Je suis de la police et je vous l'ordonne. Pas voir toi-même échanger, grosse feignasse. Ok, hop, on passe par là. Je vous explique, on passe pas par avec la carte parce que la porte reste ouverte et reste infermable en fait, tout simplement. Ok, nickel. Et là, normalement, personne peut me voir quand je crochette. Parfait. Hop, on a atteint les cellules. Ça va être marrant là. Dites-moi, il paraît que vous avez laissé. Allez, suivez-moi. Dites, il paraît que vous avez laissé partir l'autre maboule avec le chapeau en alu. Ouais, bah tu sais. Je vais en énerver quelques-uns, si je peux me permettre. Y'a pas de soucis, mec. Bah, on avance pas, mec. Ok. Bon, nous on peut passer tranquille en costume de. Bonjour les mecs. Je suis policier. Hé, hey, éteins ça, on a un visiteur important. C'est quoi ton problème? Tu vois pas que je suis en train de bouquiner?
C'est le juge, espèce de crétin. Pardon, votre... Ah là là. Je vous en prie, inspectez les cellules. Je suis désolé, mais je peux pas vous laisser accéder à la prison principale aujourd'hui. Les prisonniers se sont un peu lâchés, si vous voyez ce que je veux dire. Le shérif a ordonné qu'on boucle le secteur jusqu'à ce que la situation soit sous contrôle. Ouais, c'est une excuse, quoi. C'est pour la sécurité de tout le monde, votre honneur. T'es vraiment qu'une merde. Ouais, et faites pas attention à moi. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, demandez-moi. T'aurais dû me prévenir, enfoiré. Là, faut que je fasse vraiment attention. Ok, je prends la preuve. Collectionneur de preuves. Ouais. Ok, c'est la bonne. Ok, nickel. Hop, on a accès aux cellules. Par contre, là, je suis dans une zone interdite. Allez-y doucement avec lui, les gars. Ça va être chaud, putain. Ouf, putain, j'ai failli me faire repérer. Ok, bon, un costume de fée. Hey, il porte pas d'équipement. Millionnaire ou complètement pas. Quoi, le type au chapeau en papier d'alu? Je sais pas. Je veux dire, il est... On va regretter ça tous okay, les gars. Le suspect porte un... Ok, les gars, je sais pas ce qui vous arrive là, mais comme ça, ça vous prend de me tuer, quoi. Allez-y doucement avec lui, les gars. Hé, hey, enfoiré, t'as le bonjour du shérif Skurky. Ok, je vais me le faire. Nickel. Ok, tout seul. Très bien, écoutez-moi bien, monsieur. Mettez les mains en l'air, s'il vous plaît. Du calme, mon vieux. On peut discuter de ça calmement. Bon, ça suffit. Voilà pour vous, monsieur. Dans le bureau. Je crois que j'ai raté, mais. La combinaison du coffre, c'est. 20. 05. 68. Ok, bon, je me suis trompé. Bon, on va la faire plus douce, plus calme. Allez-y doucement avec lui, les gars. Hey, enfoiré, t'as le bonjour du shérif Skurky.
Allez, on va le tuer, je crois que c'est le seul moyen de faire ça proprement. Ok, on prend son costume. Ok, viens là. Putain, mais lui il voit bien. Hein. Ça va être chaud, putain. Voilà, dès qu'il se tourne, on y va. Mais comment? Mais comment? Putain, il va. Ah ouais, d'accord, ouais, non, il m'a vu, ouais. Il m'a vu. Bon. Voilà, je vois Discretos. Encore une fois. Je sens que cette mission, ça va être chaud. Ok, nickel. Mais comment ils savent que c'est moi? C'est chaud. Ok. Ça va être chaud. Ok. Quoi? Le type au chapeau en papier d'alu? Je sais pas. Je dirais. Il est en infraction et tout, mais certaines de ses théories, j'avoue que ça fait réfléchir. On a déjà vu des trucs plus bizarres. Ok. Ok, on le fout là-dedans. Ok, je me fous l'intérieur. Ils pourront me chercher, ils me trouveront pas. Hé hey Chloé, c'est ton flic préféré. On a vraiment un problème ici et je le sens pas du tout. Allez voir ça de plus près. Faut que j'ouvre la porte et c'est bon quoi. Putain là, faut pas que je merde sur ça. J'ai pas envie de faire le truc 500 fois. Ça va être chaud putain. C'est moi qui vous le dis. Ok. Donc normalement ils vont se remettre en mode normal. Par contre c'est que ils te détectent d'un coup tu vois. Et ça je comprends pas. C'est chaud. Bon là vous sortez ou quoi? Ça va être chaud, cette mission là est vraiment difficile. Au niveau de l'infiltration. Mais rien n'est impossible pour moi. Il faut attendre qu'ils arrêtent d'être en chasse. Là, s'ils sont toujours en chasse, ça va être très difficile pour moi. Allons discuter au poste. Tu vois, on a un bon kawa. Dispersez-vous. Contrôlez le périmètre. Rien à signaler. Rien à signaler ici. Là, ils vont jamais sortir d'en chasse quoi, c'est. Putain, ils vont jamais partir, mais c'est un truc de ouf. Montre-toi, montre-toi où que tu sois. On veut juste discuter. Tu Au rapport, les gars. Est-ce que vous voyez quelque chose? Je veux tout savoir. Qu'est-ce que vous voyez? Je te couvre, vieux.
Putain, ça va être chaud, putain, sa mère. Ok. Est-ce que ça va les déplacer? Ça va les déplacer à nouveau, voilà. Ouais, bah, vous êtes armés, ça va me saouler là. Moi je vais sortir les armes, les gars, vous allez rien comprendre. Ah, ça va me saouler là. Ok. Écoute, tas de merde, c'est terminé. T'en sortiras pas vivant, t'entends? Ça, ça va pas le faire. Bon, ça commence à me saouler cette mission. Ok. Allez, sors de ton trou. Voilà. Je m'en fous. Pour une fois, je me fais plaisir. Ok, nickel. C'est parti. Tu te souviens des magnétophones? Eh ben, c'est pareil. Le disque, c'est comme une cassette. Tu le mets à l'intérieur et tu... Non, 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 non. Tu vas. Ok, on continue. Nickel. Mon Dieu, c'est de la folie. Je suis jamais passé de ma vie. Je t'en prie, les pages, les criminels, laissez-moi les partir. Allez, hop. C'est parti, c'est parfait même. Et là, on sort de cette tôle. C'est une, je crois, la mission, la pire mission que j'ai jamais eue. Putain, ça va me saouler. Comment on part d'ici là? Ouais, je me disais bien. Ok, nickel. Je pense qu'il y a quelque chose à faire ici. Ouais, je me disais bien. Mais il y a quand même ça à prendre. Qui est pas mal. Et hop, on crochète encore la porte pour sortir. Bon, cette mission a été un petit peu mode massacre, mais je suis désolé, vraiment, c'est perte de sang-froid. Mais là, franchement, il n'y avait rien d'autre à faire. Quand j'avais ton âge. Oh mon Dieu. Ah ouais, carrément. Alors, voilà. Ding ding ding, victoire par KO. Encore un petit coup histoire de bien sentir la douleur. Ah ouais, carrément. Ouais, Dexter. No problemo. Juste un connard chaud. T'as, il savait que j'allais venir, quoi. J'ai dit que j'étais un pro. Ouais, il dort comme un bébé. Ah ouais, bon bah écoutez, on a fait vétéran. Franchement, j'ai fait plein de conneries. J'ai perdu pas mal de points pour rien. Surtout, je crois que c'est la deuxième partie, la prison. Ouais, la prison, j'ai perdu beaucoup de points. Mais on va se rattraper pour la suite. On se retrouve rapidement pour la suite de Hitman Absolution pour le prochain épisode.